Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve toujours sur le vélo Café Racer, hein, toujours le prototype avec la batterie, le moteur, et voilà qui est très chouette. Et on va devoir faire on va devoir installer un frein à disque à l'arrière. Alors du coup on voit qu'il n'y a pas de pâte et l'objectif d'aujourd'hui c'est de fabriquer une pâte. Alors j'ai un morceau de fer plat voilà, qui doit faire je sais pas 4 ou 5 mm. Je viens de recevoir un étrier et l'idée justement c'est de préparer la plaque que je vais souder ensuite sur le cadre du vélo. Voilà, donc je prépare tout ça et je vous retrouve. Alors la première chose c'est de positionner le disque. Du coup je vais le visser là, je vais positionner la roue et puis on va voir comment doit être la pâte. J'en profite pour enlever cette espèce de goujon qui permet de régler la profondeur des roues, là, de caler les roues. Alors ici il était fait, mais comme il est grippé, j'ai du mal à le. Faut que je m'en occupe aussi, il faut que j'arrive à le resserrer. En fait, ça permet aux roues d'être dans l'axe. Et celui-ci, là, de ce côté-là, je m'en étais jamais occupé parce qu'il était grippé, et là je viens de m'en occuper. Et du coup, là, je vais le dévisser, je vais essayer de le re-régler. Donc ça y est, maintenant, il va falloir forcer un peu, mais ça a l'air de tourner un peu mieux. Du coup, je vais le remettre, comme ça me permettra de caler la roue. Bon, finalement, je vais faire les deux, parce que celui-là aussi, il n'était pas en mon super bon état. Donc, comme ça, au moins, j'aurai les trucs nickel pour caler les roues. Ça sera hyper pratique. Alors voilà, j'essaye de le défaire, mais comme il est tordu, c'est un peu dur. Et après, il va falloir que j'enlève cet écrou-là. Alors ça y est, je viens de les régler. Donc là, on voit qu'il touche le moyeu. De l'autre côté également, là, si je tourne, ça ne touche pas l'écran. Bon, alors après, ça veut dire que là, je crois que c'était un 8 vitesses le plateau ou 12 vitesses, mais j'avais que ça. Mais je vais en mettre un plus petit, j'en mettrai un 6 vitesses, parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'autant de vitesse que ça. Donc voilà, ce qui est pas mal, c'est que ça tourne, c'est que ça empêche pas la roue de tourner. Donc frein à disque, voilà, c'est celui-ci. Alors c'est pas mal parce qu'il y a une petite molette là qui permet de régler l'écartement des deux freins. Donc voilà, l'idée c'est de le positionner ici, comme ceci. Voilà, donc il faut une patte pour le mettre comme ça à peu près. Il faut une patte pour le mettre comme ça. Donc faut que je découpe une petite plaquette. Ça va pas être facile, hein. Alors j'ai changé le support là. J'en avais un, celui qui d'origine était petit. Et du coup j'en ai mis un plus haut, ce qui va me permettre de faire une plaquette. Ce sera plus facile. Ça sera un petit peu moins fin à gérer. Et donc si je regarde. Il faut faire vraiment quelque chose de comme ça. Donc après réflexion, je vais souder, cette plaque comme ça. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui. Je vais la souder là-dessus, là. Et ensuite, elle viendra en suspens et je pourrai visser le frein comme ça. Alors c'est un dessin approximatif. Je vais le découper puis je vais voir ce que ça donne. Je retaillerai après.
Alors voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très esthétique, on est bien d'accord. Mais je sais pas comment je peux faire pour arrondir plus. Donc, bon, ça ira pour le moment. Est-ce que c'est encore chaud? Oui, c'est encore très chaud. Alors, je vais le positionner, puis on va voir ce que ça donne. Bon, je viens de me rendre compte que là, il y avait un trou. Et c'est très pratique parce que moi, j'ai un trou ici. Et du coup, je vais le fixer en vissant comme ça. Et ça va me permettre de le positionner. Alors voilà la pâte. Et du coup, si je positionne ça comme ça, alors il faut que je la monte un peu plus. Mais ça donne quelque chose comme ça. Donc là, je vais pouvoir couper un peu. Voilà. Donc voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, je vais faire les trous, je vais souder autour de la plaque. Et ça devrait le faire. Alors après réflexion et plusieurs essais, en fait, je vais le mettre comme ça. Parce que c'est plus pratique. Par contre, bon, je sais, il va falloir vraiment que je trouve une solution pour améliorer la découpe de la patine. Voilà. Bon, je vais percer les trous et puis on en reparle après. Bon, premier trou fait, maintenant il faut que je vois où je positionne le second. Et voilà. Donc on a cette pâte qui est faite. Et qu'il va falloir souder. Alors je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait déjà beaucoup. Et on se retrouvera dans la prochaine pour le montage. Petit point rapide de fin de vidéo. Beaucoup me demandent comment est-ce que je vais faire pour faire des carénages et cacher un peu ça ou le rendre un peu plus esthétique en tout cas. Alors j'ai trouvé ce réservoir là. Voilà, qui est un réservoir, je crois, de moto, pareil, de 1930. Et je me dis que je pourrais le découper en deux et en mettre une partie de chaque côté. Problème, c'est qu'en fait, je suis pas sûr que ça risque que ça que qu'il rentre, que le réservoir couvre l'ensemble de la batterie. Et notamment sur la fin, là, le réservoir est plus fin que la batterie, il me semble. Du coup, je sais pas, mais je trouve que ça serait assez canon de faire ça. Même si idéalement, il faudrait qu'il soit comme ça. Ou alors, je le mets comme ça et je laisse la batterie dépasser par-dessous. Enfin, voilà. Donc, je cherche des idées. S'il y en a qui en ont, n'hésitez pas. Hein, parce que là, du coup, ça serait pas mal. Alors, le problème aussi, c'est ça. Du coup, il faudrait que je le découpe. Voilà. Ou alors, peut-être le mettre à l'envers. Mais sauf qu'il y a le bouchon. Ouais, comme ça, c'est pas terrible. En revanche, je pourrais essayer de faire une découpe comme ça. Ça. Je pourrais essayer de le mettre comme ça éventuellement. Voilà, bon, alors c'est peut-être pas la bonne solution. Au début, j'étais parti pour faire une sorte de cache en bois qui cacherait l'ensemble en triangle, là, qui cacherait l'ensemble du moteur et de la batterie. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va faire un peu une grosse masse sombre au milieu. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça. Je sais pas si c'est le bon. Peut-être qu'il faut que j'en trouve un plus gros. Bref. Voilà, bah écoutez, de toute façon, si vous avez des idées ou des recommandations, alors pour le réservoir ou pour comment mieux découper ma petite pâte, n'hésitez pas à les mettre. Parce que là, c'est vrai que bah, ça va plus vite quand on réfléchit à plusieurs.
On s'est tout dit pour cette fois et puis on se retrouve rapidement pour la suite. À plus.